congolaise congolais. Les forces armées recrutent. Pour répondre à la mobilisation générale décrétée par le président de la République et commandant suprême, venez massivement vous enrôler au sein des FARDC pour défendre la patrie. Pour ce recrutement, les conditions exigées sont les suivantes. Être de nationalité congolaise. Être âgé de 18 à 25 ans. Être célibataire, sans enfants et volontaire. Avoir une bonne moralité. Avoir fait au moins 4 ans post-primaire. Être physiquement et mentalement apte. Être sans antécédent judiciaire. La force aérienne recrute les candidats pilotes et techniciens d'aviation et la force navale les candidats fusiliers marins et autres techniciens de la marine. Présentez-vous dans les états-majors des régions militaires, de la force aérienne, de la force navale, au bureau des territoires et partout où se trouvent les structures de l'armée pour se faire enrôler. Pour la ville province de Kinshasa, le recrutement se fait à la grande parade du camp lieutenant-colonel Kokolo et dans les maisons communales de Massina, Mongafula et Barumbo. La patrie a besoin de ses dignes filles et fils pour sa défense. Hâtez-vous. Pour voir l'esprit de défense et faire de chaque jeune Congolais et Congolais un citoyen et une citoyenne engagée. J'ai 18 ans, je me suis fait recruter dans l'armée et toi? J'ai 22 ans, je me suis fait recruter dans l'armée et toi? J'ai 25 ans, je me suis engagé dans l'armée et toi? Boya Ebele, Totombola Bendele et Mboka na biso. Chef d'état-major général des FARDC a présidé ce mardi 31 janvier 2023 une parade mixte FARDC-PNC à Lubumbashi dans le Haut-Katanga. A cette occasion, le lieutenant général Tio Essongessa Christian s'est adressé aux militaires et policiers de la garnison de Lubumbashi, réunis au camp major Ovango. L'émission des forces de défense et de sécurité, la discipline militaire, la politisme de l'armée, le social des militaires et leurs dépendants ont constitué les points clés de son adresse. Mission à FARDC et Lubumbashi. La défense territoriale ya mboka na biso et la protection de la population civile. Donc nous avons la mission ya ko protéger mboka na biso momima ba frontière na konyoso pe na ko battre la population ya biso. Deuxième point, la politisme. L'armée et la police, nous sommes apolitiques. Je rappelle, armée et la police, nous sommes apolitiques. Osana droit ya kosala politique. Même dans nos camps, jamais, Bokoti Kofongo la parti politique a. Bokoti Kosala et le Komokote awa par activité ya politique de et Peki Sami. Est-ce que Toyokani? Yamisak. Affairisme. Où soit le conflit foncier. Bande de Koyo. Parce que le conflit foncier, sauf aux a besoin, il y a le pango qui est dans le cadastre, va couper sa vie espace, au fou du bambou, parce qu'aux a eu un droit, il y a un droit, parce qu'aux a eu un mais elle a quand on s'en va dans l'armée, qu'on parle dans ma cambo. Il y a ma pang.
Discipline, c'est le
avec qui on a fait tel. Qu'est-ce que c'est? Policiers, on a vraiment dit soldats. Le lieutenant-général Thio Essongessa Christian a saisi ces moments pour un rappel à l'ordre sur l'utilisation abusive des réseaux sociaux par certains militaires et a interdit l'affairisme auprès de certains officiers dans les carrés miniers, tout en appelant les militaires et les policiers à une cohabitation pacifique. Ils ont essayé de faire téléphone, ils ont la vacance, ils ont la soldat. Même si on a policier. Téléphone, passez les radios, pour qu'on vienne d'accord. Obéi, soldat, et sous qu'il y a pas au nom. Peut-être qu'il y a un message. Mais quand il y a un téléphone, il y a un compte d'Israël avec les réseaux sociaux. Et puis qui s'en va? Interdiction formelle. Il y a usage, il y a téléphone, il y a cadre, il y a réseaux sociaux. Tous les familles, mon corps. Raison pour laquelle vous voyez. On a l'ami, capitaine de la police. On a l'ami major, il y a un armé. Tout ça y est. Il y a un major, il y a un armé. On a l'ami colonel, il y a police, il y a tout ça y est. C'est simple. Bisson vous connaît. Donc on va être indiscipliné. À cause, il y a nature dans Bisson. Il y a formation dans Bisson. Suivi d'une visite du chef d'état-major général à l'hôpital militaire régional du Kamvangu, qui sera réhabilité d'ici peu. Un défilé militaire a clôturé cette cérémonie. La cour militaire de la Tchopo et Ouélé, présidée par le colonel magistrat Bulukungu Makinisi, a tenu une audience foraine devant la prison centrale de Kisangani ce lundi et mardi 31 janvier 2023. Deux dossiers en appel étaient traités à cette audience, à savoir les dossiers RPA numéro 884-2002 mettant en cause l'auditeur militaire, le ministère public et partie civile contre M. Guy Lumumba Kalema héritier John et consorts, tous adeptes du secte Nzambe Lumumba et combattants Mai Mai, ayant causé mort d'homme en l'occurrence, l'adjudant Kassongo Michel, les sergents Mwamba, tous éléments de la 31e région militaire, et le sergent Paluku Maruo de la garde républicaine à Kisangani en date du 19 février 2021. Condamné à mort pour meurtre, participation à un mouvement insurrectionnel, association des malfaiteurs, détention illégale d'armes et munitions de guerre, tous les prévenus au nombre de 15 ont interjeté appel devant la cour de Seyan pour un réexamen de la cause. Le deuxième dossier, RPA numéro 885-2002, a mis aux prises l'auditeur militaire supérieur et parti civil contre M. Mumbere, Faustin et consorts, poursuivi pour association de malfaiteurs, meurtre, vol d'armes de guerre et effets militaires. Au total, 10 prévenus condamnés à mort au premier degré par le tribunal militaire de garnison ont saisi la cour militaire pour un réexamen de leur affaire. Notez que pour cette deuxième cause, les faits ont eu lieu la nuit du 20 au 21 août 2022 contre la coopérative Ebenezer au village Imbu dans le secteur de Wanga, en territoire de Wacha, province de Haute-Ouélé. Par ailleurs, après avoir acté leur comparution, les avocats de prévenus ont sollicité de la cour de Seyan une remise en vue de leur permettre de compulser les dossiers volumineux. Les deux affaires sont renvoyées respectivement au 21 et 22 février 2023. Le
Le 3 décembre 2022, le président de la République et commandant suprême des forces armées, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a lancé l'appel à la mobilisation générale afin de barrer la route à l'agression rwandaise sous les labels du M23. Par cette occasion, le commandant suprême des forces armées a vivement invité le jeune à s'enrôler au sein des FARDC afin de défendre la patrie sous les drapeaux. Dans la province du Sud-Ubangi, les jeunes ont répondu positivement à l'appel du commandant suprême des forces armées à intégrer l'armée. Agemena, chef-lieu de la province du Sud-Ubangi, au sein de la concession Comigem, chaque jour, des jeunes viennent à main s'inscrire pour servir la patrie sous les drapeaux. Une équipe d'instructeurs est disponibilisée pour l'encadrement de recrues. Dans le centre de recrutement, les recrues apprennent le rudiment de la discipline militaire, quelques exercices d'endurance morale, ventrale et physique, afin de mieux les préparer à la formation militaire lors de leur évacuation vers les centres d'instruction. Déterminés et motivés, quelques recrues se sont exprimés chacun dans sa langue maternelle sur la motivation à s'enrôler au sein des FARDC. Na yoka kimbela ya mukonzi ya mboka pe volonté na nga moko esali ke na ya na kota na armée ona bundela mboka na nga eza musala pe ya bana mibali te esengi pe biso basi to zala na musala o ndi wa yako masapusa bon biga kwati armée na mibali ko amiyeko wa wanzili korote mbi bezu menelo wakate ga likorote mbi tine ulo ogia korote mani ya kumbi kumbi ya mli armée tine kumbi Tungwa na kama bitaka mabitama ko janito mwanaka kama bitama ka barwande balo tungisa ngongeso hoye kolo ya banga chonje na bangoje twangane banga baso wangwa na kama bita mabitama mwana kama na mako janje jamale kama mwanuwe chonje tunyoloka guvernema to changwa na mabita na barwande. Question d'effectuer de longues distances pour trouver des services de réadaptation physique. Désormais, les personnes vivant avec handicap physique seront prises en charge orthopédique au centre hospitalier de Wankole à travers son département de réadaptation physique. Ce nouveau service porte des solutions aux problèmes de la population de l'Ituri, de provinces voisines, voire l'Ouganda. Ceci grâce à l'appui financier du Comité international de la Croix-Rouge en équipement et réhabilitation du bâtiment. Pour les présidents de personnes handicapées en Ituri, ce programme constitue un ouf de soulagement pour cette catégorie sociale. Nous disons merci, merci beaucoup à son excellence, monsieur le gouverneur de la province de l'Ituri, parce qu'il a permis que le centre de Rwankole, avec les divisions de la santé, qu'on puisse construire un centre qui va nous soulager. L'empire que nous portons, le trouver, ce n'était pas facile. Alors, nous remercions beaucoup, avec cette sécurité, avec ce acte qu'on a signé, pourvu que le centre soit construit au niveau de Bounia, comme capitale de la province. Le gouvernement militaire qui a coupé le ruban symbolique de cet ouvrage appelle les bénéficiaires à l'utilisation rationnelle de ces bijoux au lieutenant général Luboyanka Chumadjoni d'appeler les groupes armés à cesser la violence contre la population civile au profit du développement. Quand vous retrouvez devant ces handicapés, que vous vous rendez compte du mal que font nos frères, donc je demande aux Ituriens, je demande encore à ces groupes armés que ceux qui sont en train de faire du mal à tous nos frères ici, d'arrêter,
d'arrêter. Reconnu comme le premier centre en Ituri, le département de réadaptation physique organise plusieurs services à son sein, à savoir l'appareillage orthopédique, la kinésithérapie tirant son origine dans le centre d'écriture. Matthieu 9-6, lève-toi, prends ton lit. Un match. Le commandant 31e région militaire et commandant en place, général-major Mujinga Mishtimote, a traversé la rive gauche du fleuve Congo pour une visite d'inspection au centre d'Ossio, situé à 16 km au sud-est de la ville de Kisangani, c'est lundi 31 janvier 2023. Le général a pris connaissance de ce lieu de carcéral si important en République démocratique du Congo. Certains politiciens ont y passé les jours de correction. Une prison de 4000 hectares qui regorge 52 prisonniers militaires, policiers et civils. Le directeur adjoint de ce quartier des corrections et des formations, M. Djungu Zéphirin, a conduit le commandant 31e région militaire et de son adjoint chargé des opérations et renseignements, le général Bolingo et quelques officiers qui lui ont accompagné. Une visite guidée où toutes les maisons sont envahies par les herbes. Général Mujinga Mishtimote a clôturé la journée de ce mardi par une visite éclair au CI Lukusa. À leur félicitat à répondre à l'appel du mandat suprême chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Vous voyez, wakati ni mwanaume ni patriote. Mwenyende tika kwa kuimilia mujeshi wakati nchi ipo na matatizo. Kwa njina ya komanda suprême tunawakaribisha na nawasuete muzidi kujitoa kabisa kwa mafunzo. Tumelewana? Ndio, general. Aksanti. Congolaises, Congolais, les forces armées recrutent pour répondre à la mobilisation générale décrétée par le président de la République et commandant suprême. Venez massivement vous enrôler au sein des FARDC pour défendre la patrie. Pour ce recrutement, les conditions exigées sont les suivantes. Être de nationalité congolaise. Être âgé de 18 à 25 ans. Être célibataire, sans enfant et volontaire. Avoir une bonne moralité. Avoir fait au moins 4 ans post-primaire. Être physiquement et mentalement apte. Être sans antécédent judiciaire. La force aérienne recrute les candidats pilotes et techniciens d'aviation et la force navale, les candidats fusiliers marins et autres techniciens de la marine. Présentez-vous dans les états-majors des régions militaires, de la force aérienne, de la force navale, au bureau des territoires et partout se trouvent les structures de l'armée pour se faire enrôler. Pour la ville province de Kinshasa, le recrutement se fait à la grande parade du camp lieutenant-colonel Kokolo et dans les maisons communales de Massina, Mongafula et Barumbo. La patrie a besoin de ses dignes filles et fils pour sa défense. Hâtez-vous. Pour voir l'esprit de défense et faire de chaque jeune congolais et congolais un citoyen et une citoyenne engagée. J'ai 18 ans, je me suis fait recruter dans l'armée et toi? J'ai 22 ans, je me suis fait recruter dans l'armée. Et toi? J'ai 25 ans, je me suis engagé dans l'armée. Et toi? Boya Ebele, Totombola Bendele et Ambo Kanabiso.